Nous sommes chez Cadre Exquis. C'est un atelier d'encadrement spécialisé dans la fabrication de cadres sur mesure. L'atelier a été créé en 1987 par Daniel Danzon et c'est à la suite d'une collaboration de cette année que j'ai racheté l'entreprise en juin 2018. À la suite de mon bac, j'ai été à la Sorbonne en histoire de l'art pendant 6 années. Et lorsque je me suis lancée dans la rédaction d'un master, j'ai compris qu'il me manquait quelque chose et que je souhaitais avoir un métier beaucoup plus terre à terre et vraiment en lien avec la création actuelle. Ce que j'ai aimé dans le métier d'encadreur, c'est le contact direct avec la clientèle, la fabrication manuelle et puis le contact avec des œuvres d'artistes contemporains, une discussion avec eux. Dans le métier d'encadreur, il y a des encadrements très faciles à exécuter et puis d'autres qui demandent une réflexion, une technicité. Nous travaillons toujours dans le souci d'un démontage éventuel, donc nous devons également penser à la fixation légère d'une œuvre, toujours en utilisant des matériaux qui sont en pH neutre, avec simplicité, et parfois la simplicité, c'est ce qu'il demande le plus de subtilité technique pour que les choses ne se voient pas et que tout soit bien fixé et après, hop, qu'il n'y aurait plus qu'à fixer au mur d'une façon très simple. Récemment, nous avons dû fixer un très grand tissu dans un grand cadre. Il fallait trouver le moyen pour que le tissu soit à la fois rigide et à la fois flottant, qu'il garde cette esthétique que l'artiste avait conçue. Il faut trouver rapidement des solutions et avec moyen d'exposition. Récemment, un photographe contemporain est arrivé avec des photos tirées sur plaques de verre et il nous demandait de pouvoir insérer derrière un carton noir ou un carton blanc pour pouvoir révéler la photo de façon négative-positive. Et c'était travailler en diptyque, c'était quelque chose d'extrêmement simple, mais qui demandait beaucoup de précision, beaucoup de pointage. Le choix que j'ai fait pour mon atelier, soit d'orienter vers quelque chose de traditionnel, j'aime appliquer la tradition, mais la faire dévier vers quelque chose de très contemporain. Eh bien, merci d'être venu chez Cadre Exquis.